إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdoulillah, ça me fait plaisir d'être aujourd'hui avec vous dans cette ville, dans cette mosquée, dans la ville de Villerupt. Et qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui? C'est on va, inshallah, et dans les jours qui suivent, faire ou lire ensemble deux conférences. Parmi les conférences du Cheikh Saleh Al-Fawzan, la première conférence s'intitule « Al-Tawhid »« Aslu da'wat al-Rusul » c'est-à-dire le Tawhid, c'est la base de la da'wa de tous les messagers. Donc ça c'est la première conférence, inshallah. Et celle qui va suivre, lorsqu'on aura terminé, on va probablement prendre 3 ou 4 cours pour cette conférence-là. Puis, lorsqu'on a terminé cette conférence, on va faire la deuxième conférence, inshallah, qui va s'intituler « As-Sunnah wa makanatuha fil Islam ». C'est-à-dire le statut de la sunna dans l'islam. Et donc on va commencer tout de suite, inshallah, avec cette première conférence au sujet du tawhid. Et le cheikh il dit « Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad as-sadiq al-amin ». بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أما بعد فإن الموضوع هو موضوع مهم ألا وهو التوحيد فالتوحيد دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فبين الله سبحانه وتعالى الحكمة من خلق الجن والإنس وهي قيامهم بعبادته وحده لا شريك له وقد تكلف الله بأرزاقهم وما يعينهم على ذلك ففعل هو الأول وهو خلقهم أو خلقهم ورزقهم ليفعلوهم الثاني وهو عبادته وحده لا شريك له وهو حين أمرهم بعبادته إنما أمرهم لمصلحتهم وحاجتهم وإلا فإنه سبحانه وتعالى غني عنهم وعن عبادتهم كما قال تعالى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Donc le cheikh il commence par dire Bismillahirrahmanirrahim et il dit toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et paix et salut et bénédiction sur son serviteur et son messager, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le véridique et le fiable. Il a transmis la révélation, le message, et il a remis le dépôt, et il a donné la nasiha à la Ummah, et il a lutté dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala
d'un djihad ou d'une lutte réelle et véridique. Et paix et salut sur sa famille et sur ses compagnons, ceux qui ont cru en lui, qui l'ont supporté, qui l'ont défendu et qui ont suivi la lumière avec laquelle il a été envoyé. Ensuite, le sujet dont on va parler aujourd'hui est un sujet très important. C'est le sujet du tawhid. Et le tawhid, c'est la da'wah de tous les messagers, de tous les prophètes. Et il n'y a pas de doute que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes pour qu'ils l'adorent, lui seul, sans aucun partenaire et sans associé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Zariyat, le verset 56 et 57, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux de leur part aucune subsistance et je ne veux pas non plus qu'ils me nourrissent. » Allah subhanahu wa ta'ala, certes Allah est Ar-Razzaq, c'est-à-dire c'est lui qui donne la subsistance et qui détient la grande force et qui est inébranlable. Allah subhanahu wa ta'ala donc a clarifié dans ce verset la sagesse pour laquelle il a créé les hommes, pour laquelle il a créé les djinns et les hommes, et c'est-à-dire pour qu'il l'adore lui seul, sans lui donner aucun associé et aucun partenaire. Et du moment que ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui se charge du reste, c'est-à-dire qu'il se charge de leur donner la subsistance et ce dont ils ont besoin pour être capables de les aider et d'établir cette adoration. Et donc le cheikh, il dit, c'est lui qui a fait la première chose, c'est-à-dire qui les a créés, qui leur a donné leur subsistance, leur risque. Puis c'est à eux de faire la deuxième partie, c'est-à-dire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, sans lui donner aucun associé ou partenaire. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'adorer, c'est pour notre bienfait à nous. C'est pour notre bien à nous et pour notre besoin à nous. Parce que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il se suffit à lui-même, il n'a besoin de rien. Il n'a besoin de personne. Il n'a besoin de quoi que ce soit. Donc il est Rani. Al-Rani, ça veut dire celui qui se suffit à lui-même, qui n'a besoin de rien, qui est riche, par son être même. Donc il n'a pas besoin de notre adoration. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 8 dans Surat Ibrahim, si vous rejetez la foi, vous ainsi que tous ceux qui sont sur la terre, eh bien sachez que Allah subhanahu wa ta'ala est riche, qu'il se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. وإنما مصلحة العبادة وفائدتها راجعة على العباد فمن رحمته سبحانه أنه أمرهم بما يقربهم إليه وما يرضيه عنهم وما يصلهم به حتى تتحقق لهم الكرامة في الدنيا والآخرة والعبادة هي التوحيد بلا شك فقوله إلا ليعبدون أي يوحدون كما فسرها بعض السلف بذلك فالعبادة هي التوحيد أي يفردونه سبحانه وتعالى بالعبادة دون ما سواه والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف جامع مانع فقال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والعبادة لا تكون صحيحة ولا مقبولة عند الله عز وجل إلا بشرطين أحدهما أن تكون على وفق ما شرعه الله على ألسن الرسل والشرط الثاني أن تجب فيها متابعة الرسول أو متابعة الرسل. Donc le cheikh il explique par la suite que le bienfait de cette adoration, il revient aux serviteurs eux-mêmes et ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a ordonné de faire ce qui les rapproche à lui et ce qui amène en fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'eux par la suite. Et il leur a également ordonné ce qui les amène lorsqu'ils ont réussi à réaliser cet ordre et à l'accomplir comme il faut, eh bien, il leur a ordonné ce qui les amène à la noblesse
hein, et dans, à la noblesse et à la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya et dans l'au-delà. Et quand on parle de l'adoration dans ce verset, illa liya'budun, on parle du tawhid. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est-à-dire que quand on parle d'adoration dans le Coran, on parle de tawhid. Hein? Illa liya'budun, les salafs ont expliqué que ça signifiait ay yuwahidun, c'est-à-dire qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand Allah dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, ça signifie en réalité je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'unifient dans leur adoration, c'est-à-dire qu'ils me vouent un culte unique, hein, qu'ils m'adorent moi seul et qu'ils rejettent tout ce qui est adoré en dehors de moi. Donc ça c'est la signification du tawhid, et c'est ainsi que les salafs, hein, nos pieux prédécesseurs parmi les sahaba et les tabi'in, ceux qui ont étudié avec les sahaba et les tabi'i tabi'in, c'est-à-dire les élèves des sahaba, c'est comme ça qu'ils ont compris et qu'ils ont expliqué al-ibada lorsqu'il est mentionné dans le Coran. Et donc c'est ça le tawhid, c'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a une définition plus générale de l'adoration qui a été donnée par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui est une définition qui englobe tout ce qui a rapport avec l'adoration et qui ne laisse rien. Et cette définition, c'est la suivante, et en principe, chaque talib ilm, chaque personne qui cherche la science et qui étudie l'islam devrait connaître cette définition de al-ibada. Il devrait savoir qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle signifie. Al-ibada, Cheikh l'Islam, il dit, c'est un nom qui englobe tout ce que Allah aime et tout ce qu'il a agréé. Tout ce que Allah aime et tout ce qu'il a agréé. Comme parole et comme action apparente. Qui sont apparentes ou cachées. C'est toute parole et toute action apparente ou cachée. Donc ça c'est la signification de l'adoration. C'est un nom général qui englobe tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et tout ce qu'il agrée parmi les paroles et les actions, que ces actions ou ces paroles soient intérieures, comme les paroles et les actions du cœur, ou extérieures, comme les paroles de la langue et les actions du corps. Donc l'adoration c'est ça. Et bien entendu aussi, il faut bien comprendre que cette adoration-là, pour qu'elle soit valable, pour qu'on sache justement que c'est une adoration, il faut savoir que elle a été aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour savoir qu'elle a été aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il faut se référer à sa révélation. C'est la seule façon, c'est la seule manière qu'on peut savoir, hein, ce que Allah aime et ce qu'il a agréé comme action ou comme parole, hein, qu'on peut faire. Et c'est pour ça que le cheikh, tout de suite après, il explique que l'adoration, elle ne peut être valable, elle ne peut être correcte, excepté si elle respecte yani deux conditions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter une parole ou une action de notre part qu'on fait dans l'islam, dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté si elle respecte deux conditions. Et ces deux conditions, la première c'est que elle doit être en accord avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à ses messagers. Si l'adoration qu'on fait n'est pas en accord avec la révélation que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à ses messagers, cette adoration-là ne sera pas valable. Hein? Et ce ne sera même pas accepté, ce n'est même pas considéré comme étant une adoration. La deuxième condition pour que notre adoration soit acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'elle soit, comme le cheikh il dit, comme on a dit, la première c'est qu'elle soit faite selon l'exemple des messagers, et le cheikh il élabore, on sait que, bien entendu, elle doit être faite avec ikhlas, elle doit être faite avec sincérité, ça c'est la condition. Mais le cheikh il explique et il élabore un peu plus, il dit, « Wa shartu thani,
أن تجب فيها متابعة الرسل. Ça c'est la première condition. Il revient là-dessus. Puis ensuite il dit فالعبادة لا تؤخذ من العبادات أو لا تؤخذ من العادات ولا من التقاليد ولا من الاستحسان ولا من المقاييس العقلية. العبادة إنما تؤخذ من شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك تكلف الله جل وعلا بأن يبين للناس هذه العبادة ويوضحها لهم فأرسل الرسل لبيانها والدعوة إليها كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة فمن اتبع هدى الله حصلت له هذه العناية العظيمة من الرب سبحانه وتعالى ولا يضل في الدنيا لأنه يمشي على صراط مستقيم ولا يشقى في الآخرة لأنه من أهل الجنة ومن كان من أهل الجنة فإنه يسعد سعادة لا شقاوة بعدها أبدا. Donc c'est ça. Cheikh il explique donc que la première condition, on sait que c'est al-ikhlas. Cheikh il a pas mentionné probablement que il a inversé les choses ou bien il l'a expliqué d'une autre façon. Il a voulu l'expliquer d'une autre façon, mais en principe on sait que il y a deux conditions pour que les actions soient acceptées. La première c'est al-ikhlas, que l'action soit faite avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Puis la deuxième condition, c'est qu'elle soit faite en accord avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé et a légiféré à ses messagers. Puis le cheikh il élabore sur ça en disant que on peut pas prendre nos adorations de nos traditions. On peut pas prendre nos adorations de nos traditions. Et ça c'est très important parce que on sait que à travers l'histoire, il y a beaucoup de choses qui ont été inventées et rajouté à l'islam, dans différents pays. Dans le sens que certaines personnes ont innové dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont mélangé parfois leurs pratiques culturelles, et leurs traditions, avec des croyances islamiques, ou bien avec des pratiques de l'islam. Et donc, qu'est-ce qui se passe parfois, c'est que tu vas voir, surtout par exemple, dans les pays occidentaux, où il y a des musulmans qui viennent de partout, et de différents pays, lorsque tu rentres dans une mosquée ou dans certaines mosquées et que des gens viennent de différentes origines, différents pays musulmans, eh bien tu vois qu'ils ont différentes façons de prier, différentes façons de penser, différentes façons de croire, différentes façons de faire certaines adorations. Et certaines de ces façons-là, parfois, elles sont divergentes parce qu'elles ne sont pas basées sur le Coran et la Sunna. Parce qu'elles ont été héritées de différentes déformations des pratiques islamiques. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'il ne faut pas se référer à nos pratiques culturelles ou à qu'est-ce qui est pratiqué nécessairement dans notre pays d'origine pour déterminer qu'est-ce qui est une adoration ou qu'est-ce qui n'en est pas une. Il faut plutôt retourner, comme on a dit, à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, au Coran et à la sunna authentique du messager sallallahu alayhi wa sallam, sinon on risque de tomber dans des innovations. Donc ça c'est al-adat, donc on ne prend pas notre adoration des traditions et des coutumes qui sont pratiquées dans nos pays d'origine, ni des wala min at-taqalid. At-taqalid c'est la même chose, les choses qui sont héritées par imitation, les traditions. Les gens, ils ont fait des choses de génération en génération, ils ont hérité ça de leurs parents, de leurs grands-parents, et c'est comme ça qu'ils ont compris l'islam, et c'est comme ça qu'on leur a enseigné quand ils étaient tout petits, et on leur a appris à prier d'une telle façon, et c'est ça ce qu'ils suivent. Et ils ne se posent pas la question, est-ce que c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié ou non? Et donc ça c'est une erreur. Et donc ça c'est un exemple. Ensuite, voilà min al-istihsan, voilà min al-maqayis al-aqliya. C'est-à-dire, on ne doit pas non plus prendre nos adorations, notre façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, des choses qu'on a jugées nous-mêmes comme étant bonnes, parce qu'on trouve que c'est quelque chose de bien.
Hein? On dit ça c'est une bonne chose, donc ça, c'est une adoration, je vais l'utiliser pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est pas correct. Et ça on le retrouve dans les paroles des gens qui appellent aux innovations et qui disent parfois ça c'est une bonne bid'ah. Hein? Ils rajoutent ou ils inventent des choses dans l'islam, puis après ils disent c'est une innovation mais c'est bon. Donc on peut le faire quand même pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est pas valable. De faire des adorations ou d'inventer des innovations parce qu'on pense que c'est quelque chose de bien. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne justement à ce sujet-là, « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd » Celui qui invente dans notre affaire quelque chose qui n'en fait pas partie, eh bien cette chose sera rejetée. Donc ça c'est clair que l'innovation elle est rejetée, elle ne sera jamais acceptée d'Allah, même si elle est faite avec une bonne intention. « Wal maqayis al-aqliya » C'est-à-dire, yani, les analogies rationnelles et les choses qui sont basées sur la soi-disant logique. Eh bien, on peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala en se basant sur ces choses-là. C'est pas la raison qui définit ou qui délimite ou qui décrit ou qui définit qu'est-ce que c'est l'adoration ou comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? On peut pas se baser là-dessus. Puisque, on doit se limiter à qu'est-ce que Allah a révélé pour savoir ce qui est une adoration ou non. Le cheikh dit on prend uniquement la révélation de la on prend uniquement l'adoration de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé donc d'envoyer des messagers et de faire en sorte que l'adoration leur soit ou bien l'adoration soit clarifiée aux hommes. Il a envoyé des messagers et il a fait en sorte que cette adoration soit clarifiée et qu'on appelle les hommes à cette adoration-là. Et il mentionne des versets à ce sujet, comme le verset 38 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Si jamais une guidance vous arrive ou vous vient, alors quiconque suit ma guidance, il n'aura nulle crainte et il ne sera pas non plus ou ils ne seront pas non plus attristés. » Et dans le verset 123, dans Surat Taha, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si une guidance vous vient de ma part, alors celui qui suit ma guidance, il ne va pas s'égarer et il ne sera pas malheureux. Le cheikh, il dit, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'égarer dans la dunya et qu'il ne sera pas malheureux dans l'au-delà s'il suit la guidance. Donc, quiconque suit la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il aura cette attention de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte qu'il ne s'égare pas dans la dunya. Et pourquoi il ne s'égare pas dans la dunya? Parce qu'il marche sur un droit chemin, en suivant la guidance. Et il ne sera pas malheureux dans l'au-delà, parce qu'il sera parmi les gens du paradis. Et quiconque fait partie des gens du paradis, alors il sera heureux et il se réjouira d'un bonheur qui ne sera jamais suivi de malheur. وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليبين للناس كيف يعبدونه ويتقربون إليه ويبين لهم ما يخل بالعبادة أو ما يخل بالعبادة وما يبطلها من الشرك الأكبر أو ينقصها من الشرك الأصغر والبدع والمحدثات فالعبادة إذا كان بها شيء من الشرك فإنها لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى وإذا كانت على غير ما جاءت به الرسل أيضا فإنها لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة فالله جل وعلا أنزل الكتب وأرسل الرسل ليبين للعباد كيف يتقربون إليه وما هي العبادة الصحيحة النافعة وما هي العبادة المردودة الباطلة رحمة منه سبحانه وتعالى فلم يكلهم إلى عقولهم واستحساناتهم ولم يكلهم إلى أحد غير رسله عليهم السلام في بيان هذه العبادة. Donc le cheikh dit que il a envoyé les messagers et il a fait descendre les livres pour clarifier aux hommes comment l'adorer et comment se rapprocher à lui. Et
il leur a expliqué non seulement l'adoration, mais il leur a expliqué aussi qu'est-ce qui vient yani, créer des problèmes dans cette adoration-là. Qu'est-ce qui vient annuler cette adoration-là, hein? Donc, par exemple, al-shirk al-akbar, le shirk majeur, le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est quelque chose qui annule l'adoration. Puis il y a d'autres choses que si tu les fais ou si tu les pratiques, eh bien, ça ne va pas nécessairement détruire ton adoration complètement, sauf que ça diminue de sa valeur, ça diminue de son, des hasanat ou du bien qui viennent de cette adoration-là, comme par exemple le shirk mineur, ou bien des innovations, des bid'ah et des choses que tu inventes. Donc ça, c'est quelque chose qui te fait pas sortir de l'islam si tu les pratiques nécessairement, sauf que c'est quelque chose qui vient diminuer, hein, et qui font que ton adoration, elle sera défaillante, hein, elle sera incomplète ou incorrecte, mais pas complètement nécessairement incorrecte. Selon, bien entendu, la sorte d'innovation que tu fais, parce qu'il y a des innovations qui peuvent être considérées comme kouf ou shirk majeur aussi. Donc si c'est, tant que c'est pas kouf majeur ou shirk majeur, eh bien ton adoration, elle sera pas annulée complètement. Toutefois, elle risque d'être défaillante et incomplète. Donc ça, c'est très important. Puis le cheikh explique que si dans une adoration il y a une forme de shirk quelconque, hein, eh bien Allah ne va pas l'accepter. Comme par exemple s'il y a du riya, ça c'est du shirk comme le professeur l'a appelé al-shirk al-khafi, le shirk qui est caché, ça aussi ça fait que ton action n'est pas acceptée, même si ça ne fait pas sortir de l'islam, d'accord. Et il explique aussi que si ton adoration, elle est faite, mais qu'elle est faite d'une manière qui est innovée, qui n'est pas en accord avec ce que les messagers ont amené, eh bien dans ce cas-là aussi, elle ne sera pas acceptée. Elle ne sera pas acceptée non plus. Et il mentionne les preuves qu'on a mentionnées tout à l'heure. Celui qui fait une action, ou bien un autre hadith dans ce sens-là qui dit, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de ce que j'ai amené, qui ne fait pas partie de notre affaire, c'est-à-dire de notre religion, alors elle sera rejetée. فَهُوَ رَدٌ, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'accepter, cette action-là. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez garde aux choses inventées dans la religion, car toute innovation est un égarement. Prenez garde aux choses inventées dans la religion, car toute innovation est un égarement. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre les livres et a envoyé les messagers pour clarifier pour les hommes, hein, pour clarifier pour les hommes cette adoration-là, comment se rapprocher de lui et comment faire en sorte que notre adoration soit correcte, valable, acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comment elle va être bénéfique pour nous. وما هي العبادة المردودة. Donc, et en même temps, il nous explique aussi le contraire de ça, c'est-à-dire quelle est l'adoration qui est rejetée et qui est fausse. Hein? Et il nous apprend tout ça par miséricorde pour nous, c'est-à-dire le fait qu'il nous a envoyé des livres, des messagers pour nous clarifier ces questions-là, c'est parce qu'il est miséricordieux envers les hommes, envers ses créatures, hein? Et il veut le bien pour ses créatures. فلم يكلهم إلى عقولهم واستحساناتهم ولم يكلهم إلى أحد غيره وغير رسله في بيان هذه العبادة. Donc le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas abandonné ou laissé nous référer à notre logique ou à notre intelligence dans ces questions-là, ou à notre jugement personnel pour essayer de déterminer qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui est mauvais dans les adorations. Il nous a clarifié tout ça, hein, et il n'a pas laissé la tâche à quelqu'un d'autre de le faire, à quelqu'un d'autre que lui ou à quelqu'un d'autre que ses messagers, alayhim assalam, pour clarifier l'adoration. Il a fait ça lui-même par l'intermédiaire de ses messagers.
وكان الناس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عشرة قرون بعد آدم على الدين الصحيح يعبدون الله على هذا المنهج الصحيح على دين أبيهم آدم عليهم الصلاة والسلام يعبدون الله وحده لا شريك له. فلما كان في عهد قوم نوح كانوا في أول الأمر على العبادة الصحيحة ثم حدث أن مات جماعة من عبادهم وعلمائهم وصلحائهم فحزنوا عليهم حزنا شديدا وتأسفوا لفراقهم لأنهم يحبونهم ويقتدون بهم. فجاء الشيطان إليهم واستغل هذه العاطفة عندهم فقال صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم من أجل إذا رأيتم هذه الصور تتذكرون أحوالهم وتنشطون على العبادة. فاستحسن جهالهم هذا فصوروا صور الصالحين ونصبوها في المجالس ولم تعبد في وقتهم لوجود العلماء الذين ينكرون الشرك. ولكن الشيطان ينظر إلى المستقبل ويبذر بذرة الشر ولو لم يحصل مقصوده في الحال وإنما ينظر إلى المستقبل. فرضي منهم بهذه الخطوة ومضى هذا الجيل وهي لم تعبد ولم ينصبوها لأجل عبادتها لأنهم يعلمون أن العبادة حق لله وإنما نصبوها لأجل التذكر والاعتبار بزعمهم. Donc le cheikh il explique ensuite que يعني les hommes comme Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu l'a expliqué, ils sont restés sur le tawhid et sur la religion de vérité depuis l'époque de Adam alayhi salam jusqu'à 10 générations. Donc ils sont tous restés sur le tawhid et sur la religion de vérité après Adam alayhi salam. Puis ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala lui seul sur cette voie qui est correcte et qui est claire. Hein? Et ils adoraient Allah seul sans rien lui associer. Lorsque l'époque de Nuh alayhi salam est arrivée, au tout début ils adoraient encore sur cette adoration qui est correcte et qui est valable. Puis par la suite il y a un groupe d'entre leurs hommes pieux et les vertueux parmi eux, parmi les adorateurs et les savants, les ulama, et parmi les hommes pieux sont décédés. Alors les gens ont été pris d'une grande tristesse à cause de la séparation, du fait de voir ces hommes pieux mourir. Et ils ont été vraiment affligés de voir ces hommes mourir. Pourquoi ? Parce qu'ils les aimaient. Ils les aimaient beaucoup et ils voulaient se servir d'eux comme des exemples et des modèles à suivre. Et le shaitan a donc utilisé ça. Le shaitan a utilisé cet amour qu'ils avaient pour les hommes pieux, justement, et cette émotion, attachement émotif qu'ils avaient pour ces hommes. Et il a donc utilisé ça pour les inciter à tomber justement dans l'erreur de faire leurs images. Shaitan est venu et leur a dit faites leurs images, faites les représentations et les images de ces hommes pieux là et placez-les dans un endroit où vous allez pouvoir vous rappeler d'eux, dans les endroits où ils avaient l'habitude de se rassembler ou de se réunir. Faites leurs images, faites leurs représentations et puis ça va vous encourager à faire plus d'adoration vous-même et à essayer de vous souvenir d'eux par la suite. Alors les ignorants parmi eux ont trouvé que c'était une bonne idée et ils ont donc fait les représentations et les images de ces hommes-là et ils les ont placés sur la place où ces gens-là avaient l'habitude de se réunir et de se rassembler. Et à cette époque-là, bien entendu, ils n'ont pas commencé à les adorer encore.
pourquoi ils n'ont pas commencé à les adorer à ce moment-là? Parce qu'il y avait parmi eux des ulama. Il y avait parmi eux des ulama qui condamnaient le shirk et qui dénonçaient le shirk qui se produisait. Toutefois, le shaytan, bien entendu, il est rusé. Et il planifiait, bien entendu, pour l'avenir. Hein? Il savait que probablement cette génération-là n'allait pas s'égarer tout de suite. Il n'allait pas commencer à les adorer. Mais le shaytan est rusé. Et donc, comme je dis, comme le cheikh il explique, qu'il planifie pour des générations à l'avance. Donc il a semé cette graine à ce moment-là, même si qu'est-ce qu'il voulait ou son objectif ne se réalise pas sur le champ, mais il regarde pour les générations à venir, hein, et étape par étape, il fait en sorte que les gens par la suite tombent dans son piège. Et donc, c'est ainsi que, au tout début, elles n'ont pas été adorées, hein, parce qu'ils savaient que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un droit qui lui est exclusif, et qu'on n'avait pas le droit d'adorer autre que Allah, et que l'idée qu'ils avaient derrière ça, c'était juste de placer ces statues et ces images seulement pour le rappel et pour la réflexion et des choses de ce genre, il y en a selon ce qu'ils pensaient. Cheikh dit « وَهَدَ لَا شَكَّ أَنَّهُ عَمَلٌ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِلشِّرْكِ وَهُمْ لَمْ يَفْطَنُوا أو يَفْطِنُوا لِهَذَا لَمْ يَفْطِنُوا لِهَذَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ فلما مات هذا الجيل ومات العلماء وانتشر الجهل جاءهم الشيطان وقال إن أباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وبها يسقون المطر ووقعت هذه المقالة منهم موقع القبول فعبدوها من دون الله عز وجل فحينئذ حدث الشرك في الأرض بسبب انتشار الجهل وفقدان العلماء الناصحين وبسبب هذه الركيزة الخبيثة التي ركزها الشيطان فيهم وهذا يدل على وجوب الحذر من الشرك ووسائله وأن لا يتساهل في هذا الأمر ويدل على خطر التصوير وتعظيم الصور فإن أمما هلكت بسببه وحدث الشرك فيها بسببه. Donc le cheikh il dit donc qu'il n'y a pas de doute que cette action qu'ils ont fait de faire des représentations de ces hommes pieux et ainsi de suite, que c'est un moyen qui amène vers le shirk. Les représentations et les images sont des moyens vers qui amènent les hommes à tomber dans le shirk. Et ils n'ont pas compris ça à ce moment-là. Hein? À ce moment-là, ils n'avaient pas compris ça. C'est pour ça que par la suite, lorsque cette génération dans laquelle il y avait encore des ulama, lorsqu'ils sont morts et que l'ignorance s'est propagée, eh bien le shaitan est revenu encore une fois et a commencé à leur faire comprendre ou leur faire croire que leur parents avaient, ou leurs ancêtres, avaient uniquement placé ces images ou ces statues à cette place-là dans le but de les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que le shirk est apparu pour la première fois sur la terre. C'est ainsi que le shirk est apparu pour la première fois sur la terre. Donc on voit que à l'origine, les hommes étaient sur le tawhid. Les premiers hommes étaient sur le tawhid. Depuis Adam jusqu'à Nour. Hein? C'est pas comme les kuffars aujourd'hui parmi les anthropologues et les sociologues et autres qui font des recherches sur l'origine des hommes puis qui racontent que à l'origine les hommes étaient polythéistes, hein, et qu'ils adoraient plusieurs dieux puis que petit à petit en évoluant ils sont devenus monothéistes. Hein? Ça c'est totalement faux. Et c'est le contraire de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne dans le Coran. La vérité, c'est que les hommes, au tout début, étaient des gens qui étaient sur l'unicité d'Allah, sur le tawhid d'Allah. Puis c'est par la suite que le shirk s'est intégré
avec l'exemple de ce que يعني Abdullah ibn Abbas a clarifié comment le shirk est apparu à l'époque de Nuh. C'est ainsi que c'est arrivé, et non pas dans le sens contraire. Hein? Et donc le shaykh explique que ça c'est à cause de l'ignorance qui s'était propagée. Les gens ont commencé à les adorer, et le shaytan leur a fait croire que ils les adoraient comme ça, et que lorsque la pluie tombait, c'est à cause justement de ces hommes-là. Donc, il les encourageait donc à les adorer pour obtenir de la pluie et des choses de ce genre. Et donc, les gens ont accepté cette parole et ils ont commencé à les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que le shirk s'est propagé à cause de la perte des ulama nasihin. Et comme le cheikh il va le mentionner, il le mentionne souvent aussi dans plusieurs de ses cours, que les gens aujourd'hui, ils disent que aujourd'hui ça y est, on a atteint une époque où les gens sont évolués et qu'ils ont compris que les statues ça doit pas être adoré et des choses de ce genre. Donc il y a plus de danger maintenant qu'on peut commencer à faire des statues ou des images. Et ça, encore une fois, c'est une ruse du shaitan pour que les hommes tombent dans le shirk. Hein? Et c'est malheureux de voir que dans certains pays musulmans, maintenant, et un en particulier, eh bien, on a fait construire une statue immense d'un homme et d'une femme, et qu'on l'a placée en haut d'une montagne, là où tout le monde peut le voir à des kilomètres à la ronde, et il n'y a pas de doute que ça c'est très grave, et c'est en opposition avec le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est en contradiction avec l'interdiction justement de faire des représentations humaines ou de qu'est-ce qu'il y a une âme, parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire des représentations de tout ce qu'il y a une âme. Parmi les hommes et les animaux, c'est quelque chose qui est haram. Et vous allez voir, le cheikh il va mentionner quelques preuves à ce sujet-là, et il va expliquer certains points à ce sujet-là aussi. Donc, ça c'est très grave, parce qu'on ne sait jamais dans l'avenir que des gens, des générations qui vont venir par la suite, risquent de tomber dans le shirk avec ces choses-là, et d'oublier la connaissance qu'ils possèdent. Et déjà qu'aujourd'hui, malgré que dans certains pays, des gens ont la connaissance, ils lisent le Coran et ils connaissent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interdisent ces choses-là et qui interdisent le shirk et les innovations, et malgré ça les gens adorent les tombes, malgré ça les gens adorent les morts, malgré ça les gens adorent les hommes pieux et font toutes sortes de bid'ah et d'innovations. Donc si c'est le cas maintenant, alors que les gens ont la connaissance de ces choses-là et ils ont les références et les livres avec eux, alors imaginez qu'est-ce qui arriverait si ils perdaient justement ces savants et ces références-là aujourd'hui. Eh bien, ils risqueraient de s'enfoncer encore plus dans ces égarements-là. Donc, le cheikh dit « وَبِسَبَ بِهَذِهِ الرَّكِيزَ الْخَبِيثَ التي ركزها الشيطان فيهم وهذا يدل على وجوب الحذر من الشرك ووسائله وأن لا يتساهل في الأمر ويدل على خطر التصوير وتعظيم الصور فإن donc le cheikh explique que c'est à cause de ce premier point que le shaitan a placé que le shirk s'est établi parmi les hommes, et ça montre l'obligation de faire attention et de prendre des précautions vis-à-vis du shirk et des causes et des choses qui amènent à tomber dans le shirk. Donc c'est pas seulement l'islam interdit pas seulement le shirk lui-même. L'islam interdit tout ce qui peut amener quelqu'un à tomber dans le shirk, même si c'est pas shirk en soi. Donc si quelque chose, parce que ça s'applique au shirk, ou ça s'applique à tout ce qui est haram, tout ce qui est bid'a, tout ce qui est kufr ou shirk dans la religion d'Allah. Donc il y a qu'est-ce qui est kufr, qu'est-ce qui est shirk, qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est bid'a,
Et ça, si on veut, on peut dire que ce sont les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a tout ce qui est autour ou proche de cette limite d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire quelque chose qui peut nous faciliter le fait de tomber dans le shirk ou le kufr, dans le haram, hein, parmi les différents moyens qui peut faire en sorte qu'on tombe dans le shirk, eh bien, par précaution, eh bien, la charia nous interdit également de faire ces choses-là, même si elles ne sont pas en elles-mêmes kufr ou shirk. Donc, tout ce qui peut amener au kufr et au shirk, ça aussi c'est quelque chose qu'on doit faire attention à ces choses-là et s'en écarter et s'en éloigner le plus loin possible. Et il ne faut pas prendre ces choses-là à la légère, hein, et se laisser aller là-dedans. Et ça c'est quelque chose malheureusement qu'on retrouve, hein, parfois dans les pays musulmans et même ici, surtout ici en Occident, parce qu'il y a beaucoup d'ignorance dans les familles musulmanes et chez les musulmans en général. Les gens prennent les questions de aqida à la légère. Ils ne donnent pas beaucoup d'importance à ces questions-là. Ils s'occupent plus ou se préoccupent plus des questions d'adoration, de pratiques, hein, religieuses. Parfois, ces pratiques-là sont faites de façon rituelle, mais ils ne donnent pas d'importance à la base, c'est-à-dire la croyance et la aqida et le tawhid, hein, malheureusement. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Et c'est quelque chose qui indique également le danger de faire des images et des représentations, puisque le fait de respecter ou de vénérer ces images, c'est quelque chose qui amène à la destruction et à la perte, hein, des différentes nations et des différents peuples qui ont péri justement parce qu'ils sont tombés dans le shirk à cause de ces choses-là. Et on voit l'exemple du peuple de Nuh, hein, qui sont tombés dans le shirk lorsqu'ils ont fait ces représentations-là. Le shaykh dit « Wala siyama صور العلماء والمعظمين لأن هذا أقرب للفتنة وكذلك قوم إبراهيم كانوا يعبدون التماثيل حيث قال لهم إبراهيم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون والتماثيل جمع تمثال وهو الصورة المجسمة. Donc le cheikh il explique que si ces images sont des images de ulama, des savants et des hommes pieux, des hommes qui sont respectés, eh bien ça crée encore plus de fitna, ça crée encore plus de tentations et c'est encore plus dangereux de tomber dans l'égarement avec ces images et ces représentations là, hein, parce que les hommes les aiment et les respectent, hein, et avec ces photos là ils tombent dans l'égarement malheureusement. Donc c'est très dangereux et on le voit ça, hein, on le voit comment les gens maintenant font du shirk avec des images, avec des photos, avec des statues, avec des représentations, hein. Maintenant alhamdoulilah on est dans une mosquée, hein, c'est les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-masajid. Il n'y a pas de statue, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de croix, il n'y a rien de ces choses là mais si vous rentrez dans une église, hein, vous allez voir la différence tout de suite en rentrant. Des croix, des statues, des images. Hein. Comment les chrétiens en sont arrivés à ces exemples de shirk? Alors que dans leur livre même, si tu regardes dans les 10 commandements, le premier d'entre les commandements qui sont mentionnés dans Deutéronome et dans Lévitique, dans l'Ancien Testament, qui sont la base de leurs commandements, le premier d'entre eux, c'est l'ordre du tawhid. Hein, d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, de rien associer avec lui, de rien adorer avec lui et de ne faire aucune représentation sculptée ou gravée, hein, de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans la mer. C'est écrit textuellement mot pour mot, noir sur blanc dans leur livre. Et malgré le fait que cette chose-là est écrite telle qu'elle dans leur livre, eh bien tu vois que c'est la première chose qu'ils ont fait en contradiction avec ce premier commandement-là. Hein? Donc ça, c'est une des choses que n'importe quel chrétien, s'il est sincère et s'il connaît, hein, le premier des commandements et qu'il rentre dans son église, il doit commencer à se poser cette question.
comment ça se fait que le premier de tous les commandements et le plus important de tous les commandements, il a été contredit par l'Église, hein? Ça, c'est la plus grande de toutes les contradictions que quelqu'un peut ramener dans la religion. Et si vous voulez prouver à n'importe quel chrétien, catholique en particulier, hein, et orthodoxe ou autre, la fausseté de ce qu'ils enseignent et de ce qu'ils pratiquent, ça, c'est le point le plus important à mentionner. Parce que c'est le tawhid. Hein? Et ça, c'est très important de concentrer la da'wa sur ça. Hein? De concentrer la clarification sur cette chose-là. Hein? Et donc, alhamdoulilah. Ensuite, le cheikh, donc, il dit, comme l'exemple du peuple d'Ibrahim. L'exemple du peuple d'Ibrahim, alayhi salam, qui adorait des statues, des représentations sculpté. Et on a l'exemple d'Ibrahim alayhi salam dans le verset 52 dans sourate Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que Ibrahim a dit à son peuple, qu'est-ce que sont ces statues devant lesquelles vous restez debout en adoration, hein? Il leur pose la question, qu'est-ce que vous faites devant ces statues, qu'est-ce que vous faites devant ces idoles que vous adorez? Donc, at-tamathil en arabe, c'est le pluriel du mot timthal. Et timthal, c'est les statues, les images ou les représentations en trois dimensions qui sont sculptées. Yani, c'est ça les at-tamathil. Cheikh il dit, والتحريم يشمل الصور غير المجسمة لأن العلة واحدة فالتصوير كله محرم مجسما كان أو غير مجسم وسواء كان رسما باليد أو التقاطا بالآلة الفوتوغرافية فكله تصوير محرم وكذلك الشرك حدث في اليهود بسبب التمثال الذي صوره لهم السامري حيث صور لهم صورة عجل من الذهب وجعله مجوفا يدخل الهواء فيه ويخرج ويشكل صوتا يشبه خوار العجل وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى فعبدوه من دون الله عز وجل تأثرا بهذه الدعاية وافتتانا بالصورة ولما نهاهم نبي الله هارون عليه الصلاة والسلام في غياب موسى قال لهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى فحدث الشرك فيهم بسبب التصوير. Donc, le cheikh il dit que l'interdiction des images, eh bien, ça comprend l'interdiction des images qui sont en trois dimensions et également les autres représentations ou images qui ne sont pas en trois dimensions. Parce qu'il y a certains d'entre les, certains individus qui sont considérés par certains comme étant des ulama, qui ont essayé de faire une distinction entre les images sculptées en trois dimensions et les images qui ne sont pas en trois dimensions. Hein? Et ils ont dit que l'interdiction c'est seulement les images en trois dimensions, les images sculptées, et que celles qui sont en deux dimensions ne sont pas interdites. Mais, bien entendu, cette distinction-là, elle est fausse. Il n'y a aucune preuve pour séparer ou distinguer entre les deux. Puisque l'interdiction, elle est générale pour toute forme de représentation qui sont faites. Peu importe, qu'elles soient en deux ou en trois dimensions. Parce qu'elles sont toutes des représentations. Et, du moment qu'elles sont des représentations de ce qu'il y a une âme, alors, dans ce cas-là, c'est haram. Hein? Peu importe qu'elles soient dessinées avec la main, ou qu'elle soit prise avec appareil photo, hein. Dans tous les cas, tout ça, ce sont des images et des représentations de ce qu'il y a une âme, et donc c'est considéré comme étant haram. Et le résultat, c'est le même. Que ce soit une photo ou une représentation faite avec la main, ou bien une photo faite avec
l'appareil photo. Parce qu'il y en a qui vont essayer parfois de faire une distinction entre les deux. Et qui disent que l'appareil photo, c'est comme une réflexion dans un miroir. Hein? Alors qu'on sait très bien qu'il y a une différence entre une réflexion dans un miroir puis une image qui reste et qui est figée, qui est fixe. Hein? Et non seulement ça, mais c'est que les gens qui font le shirk avec une représentation ou une image qui est dessinée avec la main, hein, déjà ça représente une fitna. Alors imaginez une image qui est faite avec l'appareil photo qui est encore plus précise et plus détaillée, hein, d'une personne qu'ils aiment ou qu'ils vénèrent. Hein? Eh bien ça aussi, ça amène encore plus les gens à vénérer ces photos-là et à tomber dans l'exagération et le shirk même parfois avec ça. Et on le voit de la part de certains parmi les musulmans, parmi les soufis en particulier, qui se promènent avec la photo de leur cheikh, hein, dans leur portefeuille, ou bien dans leur voiture, ou bien dans leur maison. Hein, et il y en a même parfois parmi ces soufis de différents turq, quand ils font leur zikr, ils mettent la photo de leur cheikh devant eux pour faire leur zikr. Hein, parce qu'ils pensent qu'il faut passer par le cheikh pour aller à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des exemples de shirk aussi. Et ça se fait avec des photos, hein, des images. Donc que ce soit fait avec des images faites avec la main, hein, ou bien prises avec la main, parce que du moment que tu es en train d'appuyer sur le bouton, eh bien tu es une cause dans la prise de cette image-là. Donc les deux, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence et le résultat, c'est le même. Et le cheikh, il dit ensuite que regardez également le shirk qui est arrivé chez les juifs. Le shirk qui s'est produit chez les juifs, eh bien, il s'est produit à cause des représentations et des images. Lorsque As-Samiri, hein, est venu et il leur a fait une représentation ou une sculpture de un veau d'or, un veau en or. Hein? Et ils ont fait dans ce veau en or, dans cette statue, un trou par lequel, lorsque le vent passait à travers, eh bien, ça sortait, ça créait un bruit par le vent qui traversait cette statue. Ça faisait un bruit en sortant de le vent quand il sortait de la bouche de cette statue, ça faisait comme le mugissement d'un veau. Hein? Donc ils avaient construit la statue de cette façon à ce qu'elle fait comme un bruit avec le vent qui le traverse ou avec l'air qui passe à travers. Et Saint-Méry leur a dit, voici votre divinité et la divinité de Moussa. Hein? Alors les gens, les juifs l'ont adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont adoré le veau d'or. Hein, et ils se sont laissés influencer par cette propagande ou cette idée, et ils ont été éprouvés par cette image et par cette par cette statue. Alors qu'on sait très bien que le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, Haroun, leur a interdit, en l'absence de Moussa, de faire cette chose. Et il leur a dit, hein, oh mon peuple, c'est uniquement une chose par laquelle vous êtes éprouvés, et votre Seigneur est uniquement le tout miséricordieux, alors suivez-moi et obéissez à mon commandement. Ils ont dit, nous allons rester, hein, debout devant ce veau d'or jusqu'à ce que Moussa revienne. Et c'est ainsi que le shirk est apparu dans le peuple des juifs à l'époque, à cause des représentations et des images, encore une fois. D'accord? Ensuite, le shirk dit, التصوير الذي يتساهل فيه الناس اليوم بل يعتبرونه فنا من الفنون وهذه نتيجته وأيضا حذف الشرك في النصارى بسبب سورة الصليب فمعبود النصارى الصليب الذي يزعمون أنه على سورة المسيح عليه السلام وهو مصلوب على الخشبة بعد قتله كما يزعمون
وكذلك فإن النصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره بناء وصوروا فيه التصاوير فهذه أخطار التصوير ومضارها وهذه نهايته وعاقبته وقد يقول قائل الناس الآن تفقهوا وعرفوا ولا يمكن أن يعبدوا الصور فنقول لهؤلاء أولا الإنسان لا يأمن على نفسه من الفتنة وثانيا في المستقبل تأتي أجيال جاهلة تدب إليهم الشيطان شياطين الإنس والجن فيزينون لهم عبادة هذه الصور كما حصل في قوم نوح. Donc le cheikh il explique que les photos, les images, les représentations, c'est quelque chose qui à notre époque a été pris à la légère. Et les gens sont devenus très permissifs dans ces choses-là et ils acceptent beaucoup de choses dans ce genre de choses. Et tu rentres parfois dans des maisons de musulmans et tu vois qu'il y a des portraits des membres de la famille sur le mur. Hein? Et ça, c'est quelque chose qui est clairement haram. Il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Mais beaucoup de musulmans ignorent. Hein? Beaucoup de musulmans ignorent ça. Et donc, ils placent les images et les représentations de leurs membres de la famille, parfois des vivants, parfois des morts, et ils les affichent comme ça sur les murs. Hein? Donc ça, c'est quelque chose de très grave. Et le cheikh explique que même à notre époque, la photographie et les représentations, même la peinture et la sculpture, c'est considéré par les koufars et par même parfois certains musulmans comme étant un art. Hein, maintenant, c'est considéré comme étant un art. Donc tout ça, c'est le résultat de ce qu'on a mentionné. Hein? Le résultat de ce qu'on a mentionné, et ça donc c'est très dangereux. Et le cheikh il donne l'exemple aussi du shirk qui est apparu chez les chrétiens. Comme j'ai mentionné tout à l'heure par rapport à qu'est-ce que tu retrouves dans les églises, eh bien, si tu regardes par exemple, comme le cheikh ce qu'il dit, le shirk qui est apparu chez les chrétiens, comme par exemple à cause de la représentation de la croix qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'objet qu'ils adorent, c'est la croix. Ils adorent la croix. Et ça, c'est une idole. C'est la même chose qu'une idole. Hein? Et tu le vois, ils le mettent dans leur maison, ils le mettent dans leurs églises, ils le mettent dans leur cou, hein, dans une chaîne qu'ils portent, et ils pensent que ça leur porte bonheur, ou que ça les protège, ou des choses de ce genre. Et le cheikh, il mentionne la croix. Donc ça, c'est une des choses que les chrétiens adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est shirk, qui est kufr. Hein? Mais il y a aussi d'autres choses qu'ils adorent aussi parmi les représentations des multiples saints qu'ils possèdent. Les statues de Marie, les images de Marie qu'ils placent sur leur voiture, dans leur maison, ou bien ailleurs aussi, même devant leur maison parfois, pour soi-disant protéger ces différentes maisons-là. Et même ici en France, par exemple, j'ai remarqué que dans toutes les grandes villes, ou presque toutes les grandes villes, vous allez voir qu'ils ont placé sur une colline, hein, ou sur un point qui est plus haut dans la ville, une chapelle, ou bien une grosse église, qui est bâtie en général à l'honneur de Marie, et qui pense que, ou qui croit que c'est cette église qui protège la ville. Hein. Cette église-là, c'est elle qui protège la ville. Hein, et j'ai entendu ça quand je suis allé à Marseille, j'ai vu ça. Et à Paris, il y a la même chose. Et je ne sais pas pour les autres, mais j'ai remarqué ça. Parce que la France, c'est un pays qui est très catholique. Malgré qu'ils se disent laïcs aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est un pays très, très, très laïque. Très catholique. Très, très, très catholique. Et même au Canada, par exemple, à Montréal, au Québec, bon, c'était une ancienne colonie de la France. Après, ça a été pris par les Anglais. Donc, c'est resté sous l'emprise de l'Église catholique pendant très longtemps. Hein, jusqu'aux années 60, c'était encore l'Église catholique qui gérait l'éducation et qui gérait
les hôpitaux et toutes ces choses-là, c'était entre les mains du clergé. Donc la séparation entre l'Église et l'État au Canada, ça s'est fait très récemment. Mais par contre, aujourd'hui, si vous venez au Québec, vous allez voir qu'il y a beaucoup moins d'attachement à la religion catholique, d'après ce que je vois à l'extérieur, que ici en France, par exemple. Hein? Juste par exemple, pour vous dire, les magasins ici en France, le dimanche, en général, c'est fermé. Hein? Parce qu'ils respectent des choses, ça fait partie de la religion catholique. Pourtant, au Canada, tous les magasins, le dimanche, sont ouverts. Hein? Puis, il n'y a pas longtemps, bon, il y a des fêtes religieuses ici, c'est toutes des fêtes catholiques en général. Ils sont très respectés, hein, très suivis encore aujourd'hui, alors que, tu vas voir en Amérique du Nord, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment respecté, ou bien auquel on donne moins d'importance qu'ici en France. Donc, les gens, même s'ils se prétendent laïcs, malgré tout, sont très très attachés quand même à leur religion. Donc, c'est quelque chose qui est important de comprendre et de connaître lorsque on veut appeler des gens à l'islam, de connaître leur religion. C'est une condition pour faire la da'wah, non seulement de connaître l'islam, mais connaître la mentalité des gens à qui on s'adresse, et de connaître leurs croyances et leurs pratiques, pour être capable justement de leur montrer la différence entre le tawhid et le shirk, et l'exemple de la voix des messagers d'Allah, et l'exemple des mushrikines et des kuffars qui ont opposé la voix des messagers d'Allah. Donc ils adorent la croix aujourd'hui. Hein? Et si vous regardez par exemple, est-ce que Isa alayhi salam a enseigné d'adorer une croix? Même dans le livre des chrétiens aujourd'hui qui a été falsifié et changé, jamais, nulle part, vous allez trouver dans les paroles d'Isa alayhi salam qu'il faut prier à une croix, qu'il faut prendre une croix comme un porte-bonheur ou comme un objet d'adoration. Nulle part. Hein? Donc ça, c'est une autre bid'a qu'ils ont inventée dans leur religion, qui ne fait pas partie de la religion de Isa alayhi salam. Et eux, ils croient que, bien entendu, Isa alayhi salam a été crucifié et qu'il a été tué sur cette croix, alors que, bien entendu, on sait que ça, c'est faux, puisque le Coran est venu nier ça. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais c'est quelque chose qui leur a apparu ainsi. Hein? Donc ça, c'est à ce sujet. Et non seulement ça, mais lorsque un homme pieux parmi les chrétiens meurt ou décède, eh bien, ils font sur sa tombe des représentations ou des statues ou bien des tombeaux, et ils dessinent sur ces tombeaux des images, où ils sculptent, où ils gravent des choses, des représentations d'images d'anges ou de saints ou des choses comme ça. Et ça, c'est des exemples aussi de choses qui amènent au shirk. Et ça, on le constate chez les chrétiens, beaucoup, puisqu'ils ont un nombre interminable de saints qu'ils prient et qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, il y a des pèlerinages chez les chrétiens qui sont organisés tout au long de l'année à différentes tombes de différents saints. Il y a le pèlerinage dans le sud de la France, à Lourdes, que les catholiques font. Ils vont adorer cette idole là-bas, et à d'autres places aussi à travers la France. Hein. Tout ça, c'est des exemples de shirk. Allah al-Musta'an. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait mis en garde les musulmans contre ces choses-là, pour éviter que les musulmans tombent dans ces choses-là. Malheureusement, ces mêmes pratiques qu'on retrouve chez les chrétiens, hein, et chez les juifs, eh bien, on les retrouve aujourd'hui dans les pays musulmans, et c'est rempli. Allah al-Musta'an. Et ça, c'est quelque chose qui vient en opposition totale avec la base et le fondement de la da'wah des messagers. Et c'est pour ça qu'il faut mettre de l'importance et de la concentration sur ça. Et le cheikh, il dit ensuite, et si quelqu'un disait, comme j'ai mentionné tout à l'heure, non, les gens aujourd'hui, ils ont compris, ils savent, maintenant ils sont intelligents, hein, ils vont pas adorer des images, ils vont pas adorer des représentations, ils vont pas adorer des statues. Le cheikh, il dit, premièrement, pour répondre à cela, on dit que, premièrement, l'homme ne doit jamais se sentir en sécurité face à la fitna.
et de penser qu'on est à l'abri. On ne doit jamais se sentir à l'abri de la tentation et de l'égarement. Du moment que tu commences à dire, ça y est, moi je suis protégé de l'égarement, je ne veux jamais tomber dans le kufr, je ne veux jamais tomber dans le shirk, je ne veux jamais tomber dans l'égarement ou dans la bid'a, c'est à partir de ce moment-là que le shaitan, il aura plus de facilité de te faire égarer, de faire tomber dans l'égarement, parce que tu ne vas pas être sur tes gardes, et tu ne vas pas prendre de précautions. Et deuxièmement, le cheikh dit que peut-être que pour aujourd'hui, tu penses que ça va, mais qui connaît l'avenir? Qui connaît l'avenir? Peut-être que des générations vont suivre cette génération et qu'ils vont être plus ignorants, qu'ils vont tomber dans l'égarement et qu'ils vont être justement séduits par le shaitan, les shayatines parmi les hommes et les shayatines parmi les djinns qui vont venir leur embellir l'adoration de ces images et de ces représentations comme c'est arrivé à l'époque de Nuh, alayhi salam. الشيخ دي ensuite فلذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم التصوير والوعيد عليه أمر بطمس الصور وأمر بطمس الصور لأنها وسيلة إلى الشرك ولأنها مضاهة لخلق الله سبحانه وتعالى وادعاء لمشاركته سبحانه وتعالى في الخلق والتصوير فالله هو المصور الذي صور الصور وخلق الخلق فالذي يصور الصور يضاهي خلق الله أي يحاول بقصد أو بغير قصد مشابهة خلق الله ومشاركة الله في عمل هذه الصور حتى يتعاظم في نفسه ويخيل إليه أنه يخلق مع الله عز وجل ولما حدث الشرك في قوم نوح بسبب الصور فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام ودعا هؤلاء المشركين إلى عبادة الله والرجوع إلى التوحيد الذي كانوا عليه منذ عهد آدم عليه الصلاة والسلام والذي كان عليه آباؤهم وأجدادهم وهو شرع الله ودين الله دعاهم إلى توحيد الله وترك هذا الشرك وحذرهم منه ولكنهم وأصروا واستكبروا استكبارا عفوا donc le cheikh dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté beaucoup et il a interdit de façon très sévère toutes ces formes de représentation et ces images. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par exemple, dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, La'natullahi ala al-Yahudi wa al-Nasara ittakhadhu quboura anbiya'ihim masajid. Que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et sur les chrétiens. Ils ont pris, ittakhadhu, ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux d'adoration, comme des masajid. Donc ils ont pris les tombes et les tombeaux et les endroits où sont morts leurs hommes pieux comme des lieux d'adoration. Et c'est là qu'ils adorent Allah, ils vont là-bas pour adorer Allah et ils adorent en même temps ces idoles et ces images et ces tombeaux. Et ils prennent ces lieux-là comme des lieux de culte, des lieux d'adoration, des lieux de prière. Hein? Donc ça c'est l'exemple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il nous mentionne ça? C'est pour pas que nous-mêmes on fasse la même chose qu'eux. Pour pas qu'on tombe dans la même erreur qu'eux, et malgré ces avertissements, les musulmans sont tombés dans cette erreur. Allah musta'an. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire ce genre d'image et il a ordonné de détruire et de briser toute représentation humaine de choses qui, ou bien animales, des choses qui ont une âme, des représentations humaines ou animales. Bien entendu, de détruire aussi les tombeaux qui sont adorés en dehors d'Allah, ça aussi ça fait partie de qu'est-ce qui est ordonné, parce qu'il a dit lorsqu'il a envoyé Ali radiallahu anhu dans cette mission, il lui a dit ne laisse aucune tombe, ne laisse aucune statue excepté que tu la détruis, tu la brises, et ne laisse aucune tombe surélevée excepté que tu la nivelles.
ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. C'est-à-dire, il doit niveler les tombeaux surélevés qui sont construits. Et ça, bien entendu, bon, c'est avec l'ordre du dirigeant musulman. C'est pas quelqu'un de son propre initiative qui va aller faire ces choses-là, puisque il risquerait de créer des, plus de mal que de bien. Et on sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de sa mission, quand il était à Mecca, il voyait les idoles devant lui, qui étaient adorées par les mouchriquins, et il les a pas cassées. Pour quelle raison? Parce qu'il savait que ça allait amener un plus grand mal. Donc il les a laissées jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la force et le pouvoir et la capacité. Et lorsqu'il est revenu à Mecca, il les a cassées une par une. En disant « Ja'a al-haq wa zahaq al-batil, inna al-batil kana zahuqa » La vérité est venue, le faux s'en est allé. Certes, le faux c'est ce qui s'en va. Donc ça c'est l'exemple de ça, à ce sujet-là. Ensuite, donc le cheikh il dit que pourquoi il a détruit toutes ces choses, il a ordonné de détruire ces choses, pourquoi? Parce que c'est un moyen qui amène, ou quelque chose qui amène vers le shirk. Et c'est une imitation de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si la personne qui fait ses représentations humaines ou animales prétendait avoir une part dans la création. C'est comme si il se prétendait ou se déclarait partenaire d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, un de ses noms, c'est qu'il est Al-Musawwir. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Musawwir. Celui qui forme. Celui qui forme et qui donne à chaque chose sa forme. Donc, celui qui fait les représentations et les formes qu'il a créées, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui crée et c'est lui qui donne à chaque chose sa forme. Et donc celui qui essaie de reproduire la création d'Allah subhanahu wa ta'ala de la même façon, eh bien c'est comme s'il essayait de se mettre comme un partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala dans cette action-là et dans cette chose-là. Et donc il essaie volontairement ou involontairement d'imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se placer comme un associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans cette action-là, jusqu'à ce qu'il arrive à vénérer ou respecter cette chose qu'il a représentée ou qu'il a reproduite. Et c'est quelque chose qui donne l'impression qu'il crée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le shirk est apparu dans le peuple de Noé, à cause de ces représentations-là et de ces images, eh bien, Nuh a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour avertir ce peuple et pour les ramener au tawhid, pour rappeler ces mouchriquins à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et de les appeler au tawhid, sur lequel ils étaient depuis l'époque de Adam, mais qu'ils avaient malheureusement quitté avec l'introduction de ces formes de shirk qui avaient été ramenées. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé Nuh pour les ramener à la religion d'origine, la religion de leurs pères et de leurs ancêtres, qui est la religion d'Allah, la révélation d'Allah, qui est le tawhid et l'abandonnement du shirk. Et il les a mis en garde contre le shirk, mais malgré tout, ils ont refusé d'accepter l'appel de Nuh et se sont entêtés et enflés d'orgueil. Et ils ont continué à adorer ces représentations en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on va s'arrêter ici pour l'instant, inshallah. Puis on continuera cette explication et ces clarifications au sujet de la da'wa de Nuh et des autres prophètes qui sont venus par la suite dans le cours qui va suivre, inshallah. Donc on s'arrête, inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.